station fréquence, les bonnes chantresses quant à vous tous de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine et bonne journée. Eh bien c'est plutôt calme ce matin. Attention Daniel Centaure pour Dundee qui t'appelle. Les bonnes 73 Daniel, alors comment vas-tu? Ah ben tu sais, justement, c'est pendant les vacances, vu le boulot qu'on fait, c'est pendant les vacances qu'on est le plus occupé, ouais, à chier. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est toujours ça, hein, voilà, y a toujours des choses à faire. Voilà, c'est moi l'antenne, c'est tout à petit là, hein. Voilà, c'est l'antenne de 42 petits à côté, l'antenne de PMR, là, que je suis en train de faire. Voilà, donc, tu la verras, là, je t'enverrai la photo, là, dès que je l'aurai vraiment terminé. Ok, c'est une antenne pour quelle fréquence? Mais pour les fréquences de PMR. Les fréquences de PMR, les 446. Ah ouais, d'accord, ok. Au fait, à ce propos, j'ai entendu parler de contrôle qui se ferait justement sur ces appareils là en ce moment. Là. Ah ben moi c'est un appareil comme ça, hein, donc voilà. Ouais, mais là je suis en train de vous faire, je casse les mains là. D'accord, ok. Ouais, le genre de contrôle qu'il y a en ce moment sur ces appareils, je vois pour la petite anecdote, il y a quelqu'un là qui s'est fait contrôler, contrôle de papier, et en voyant le portatif, ils lui ont demandé sa licence radio amateur. Alors, vu qu'il est sur les fréquences PMR, ben forcément il n'a pas pu lui montrer. Et ça s'est soldé par une confiscation du matériel. C'est assez abracadabrant comme truc, mais bon, c'est ce qui s'est passé pourtant. Enfin, a priori, l'histoire serait vraie, quoi. Oui, je l'ai lu ton article, Rémi, je l'ai lu, hein. Voilà. Oui, parce que si tu veux, il y a beaucoup de gens qui sont contrôlés par ces moteurs. Oui, et puis en plus, on va le dire, c'est le produit, hein, c'est l'image, hein. Mais bon, tu sais, pour ce que j'en fais à l'utilisation, voilà quoi, hein, donc quand je vais descendre, ça va monter à l'arène, et puis voilà, hein, donc bon, dans la voiture, hein, de toute façon, j'aurai l'action de vivante. Voilà, donc si bien je serai équipé vivante en chef de chef mobile, voilà, donc si tu veux. Voilà, moi j'ai ma licence d'écoute, alors il n'y a pas de problème, hein. Voilà, ok, d'accord. Ouais, mais bon, une licence d'écoute, c'est valable uniquement pour un récepteur, pas un émetteur-récepteur, à chi trois coups. Je pense que Ouais, mais je pense qu'il s'est. À mon avis, il a du mal à s'expliquer, quoi.
C'est, je sais pas, c'est assez curieux quand même. Parce que je sais pas, là, si au niveau du push j'ai un contrôle, bah, je dirais bah, c'est normal que j'ai pas de distance sur le diamètre, puisque c'est un poste de CB que j'ai dans les mains. Hein. Donc voilà, le sujet est clos, quoi, en quelque sorte. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, non, mais voilà, moi c'est pareil, hein, c'est pas le CB, hein, c'est pas considéré comme le bas du haut de gamme, enfin, c'est le haut de gamme en CB, mais le bas de gamme en régulateur. Donc bon, mais voilà ce que je te dis maintenant, vous voyez, pour que vraiment il te contrôle, c'est que peut-être pas dénoncé, mais je pense que bon voilà, ils ont peut-être mis un déboulé là-dessus, et c'est le mec qui s'est fait prendre avec le micro à la main, voilà, comme ça peut nous arriver à tous. Ben écoute, je sais pas comment c'est venu, son contrôle là, mais voilà quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des contrôles civils, il y en a de moins en moins, hein. De moins en moins, c'est ou plus du tout depuis déjà pas mal d'années. Ah, tu sais trop, c'est tout simplement que je fais du hasard et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, enfin, c'est ce que je. Oui. Voilà, donc que l'on s'en avance petit à petit, et de toute façon, je suis célibataire. Angie! Ouais, putain! Ouais, je me demande qui s'en va ce soir là, avec Ramadine Dami là sur. Dans les bosses qui réunissent jusqu'à vendredi, célibataire. Waouh! Vendredi soir, tu es célibataire aussi ou pas? Ah, bien, vendredi soir, je serai dans les bosses qui mon grand, et je serai entre Persis et Nouvelle-Zélande. Ok, donc il n'y aura pas besoin de t'appeler vendredi soir pour voir si tu es en fréquence. Ah, je suis trois coups. Au fait, je sais pas si tu as regardé le dernier coup là, que tu étais dans le QVSO du canal 27. Enfin, si tu as regardé la vidéo, je veux dire, mais ça passait que dalle, quoi. Si bien parce que je connais ta voix que je t'ai reconnu, et puis c'est tout, quoi. Alors là, moi ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est pas le mien, c'est le vôtre. Hachi, là, c'est l'un comme l'autre, ne me mêlez pas à ça. Ça en vaut pas le coup. Comment dire, ça ne regarde que vous deux, voilà, autrement dit, quoi. C'est ce que je veux dire, voilà. Ah oui, non, mais tout à fait, voilà. Ok, là, c'est pas l'histoire qui se punit tout seul, loin de là, c'est l'histoire qu'il a plus le chauffeur pour monter, car de lui-même, il peut pas monter. Voilà, c'est ça, non. Voilà, ouais. C'est pas grave, voilà. Moi, c'est mon moment de venir, j'ai fait des antennes, voilà, donc, voilà, hein. Donc, je vais voir ce que ça donne, et puis je pense à des GT, hein. Voilà. Parce que j'étais parti sur une première antenne, mais elle est un peu plus,
elle est un peu plus mécanique que la que celle que je viens de dire, là, que je suis en position de faire. Là. Voilà. J'arrive au rond-point là. D'accord, d'abord je suis sur Martignac là. J'arrive à l'entrée de Martignac. Oh, je vois là, c'est en train de distribuer là des tracts là. Au secours. Salut. Voilà, c'est fait, c'est passé. Ok, voilà. Voilà, donc et là, ce matin, là, je savais la grande antenne, là, tu m'entends pas plus fort que d'habitude, alors, finalement. Attends, ça fait deux semaines que je t'ai pas mis en fréquence, un peu plus. Ouais, non, voilà, là, comme je te disais, là, je savais la grande antenne. Donc, ça fait pas plus fort que d'habitude, je pense pas. Donc, peut-être que, en étant la grande, ça... Pour, si tu veux, sur la distance où tu aurais été, voilà quoi, donc maintenant déjà, là, si je gagne en hauteur et en profondeur. Eh bien, là, je suis sur le parking du Pro, et c'est du 55. Ouais, je t'aime, c'est à peu près ce que tu m'as fait aussi, la réflexion. De mon côté, là, je suis sur la dernière ligne droite qui va là où tu sais. Voilà, donc, bon, écoute, c'est pas grave. C'est, de toute façon, c'était à l'entrée de la sortie ici, c'est la 11. Oh, là, au tout début, là, il y a un bon quart d'heure. Enfin, un petit quart d'heure. Attends que je regarde. Ouais, enfin, bon, bref. Au tout début, j'étais sur la rocade. Là, j'étais assez loin encore sur la rocade. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, là, j'ai obligé d'enlever le micro d'origine parce qu'il faut que je recharge la pile. C'est là le micro, là, j'ai enlevé le micro d'origine. Alors, il y a le micro en pile, mais il me passe les moments, c'est le bateau, il est là. Je te dis pas, hein, il va falloir que je contacte des acteurs, je cherche, hein, et que je parle avec le. Avec les acteurs, là, parce que. Ça va dans l'air, cher Philon. Oh, c'est étonnant qu'il te bouffe autant comme ça les piles. Là, quand même, tu dois avoir peut-être une fuite quelque part. Hein, parce que là, je vois, moi, les piles, je les change le plus rarement possible. Et j'ai aucun problème. Hein. Bon, écoute, je refais un essai demain matin. Mais de toute façon, la personne qui m'a dit que je n'avais pas de radio était une personne sûre. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis, mais t'as pas d'émission. Bon, c'est pour ça que j'ai mis le micro d'origine, et on m'a dit, ah, mais là, je vais pas reconnaître. Voilà, je t'attends. Donc, voilà, Rémi, hein. Voilà, peut-être, je suis devant la porte, là. J'arrive devant la porte du prof. Voilà, ok, mon grand. Voilà, écoute, je pense que toi, tu arrives sur le parking, là, ça y est. Oui, affirmatif. Et d'ailleurs, là, au niveau de l'antenne, là, bon, j'ai fait une petite vidéo, parce que là, on m'en réclame, là, sur Internet, en plus, hachi. Là, tu verras, là, comment ça passe, là, au niveau du poste, au niveau du signal, parce que j'ai bien braqué la caméra dessus, et ça marche bien, hein. Je me souviens pas que d'avoir senti de différence par rapport à d'habitude, mais c'est fort et clair, y a aucun problème, hein. Ok, ben là, comme je t'ai dit, je sers le micro d'origine, hein. Voilà, mon petit Rémi. Voilà, bon, écoute, je te dis à demain matin, alors.
Niet, niet. T'auras pas cette chance. Vendredi matin. Alors, ouais, d'après ce que m'a dit Fabienne, vendredi matin. Putain, je suis vachement au courant de mes plannings, moi. Je suis trois coups. Oui, vendredi matin. Et par contre, samedi, dimanche, je suis là sur le site habituel. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds là-bas. Ça va me faire bizarre. Ok, d'accord. Ah, ben écoute, pour vendredi matin, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, bonne journée, puis peut-être qu'on fera des petits SOS. Allez, à plus. Ok, ça marche. À plus, amuse-toi bien. Bye. Je commençais à croire qu'ils n'étaient pas là. J'ai entendu un Roger Bip. Bon, ils sont très très loin là quand même. Hein. Bon, évidemment, les jours se suivent, se ressemblent pas. Ce matin, c'est vrai que c'est assez calme. Ouais, faut que j'aille travailler un peu quand même. Allez, ce sont 13:51 à tous et bonne journée. Là, je dois des peines de cours, c'est pas bon. Avec beaucoup de sauce, toi, c'est pas bon, hein, pas bon la sauce, mais...
rond-point IT là, et au rond-point. Non, c'est bon, il y a le compte.
parce qu'il y avait deux voitures rembourrées, et il n'y a pas de voiture qui s'arrête. Il fallait 9 tonnes 800, on a 10 tonnes. Voilà, c'est bon. Et le vieux, il est pas fou, hein. J'ai eu de la chance, un Mika était dans les coins et il est venu, il m'a tiré. J'ai eu de la chance, Mika était dans les coins, donc il est pu venir me tirer. Mika, il dit, putain, mais t'es fou, il dit, moi jamais je recule autant que ça. Hein. Ça, ça fait un peu, Mika, il fait un peu comme, tu sais, Gilou, là, celui qu'on avait chez vous, là. Lui, quand on fait une décharge, il était au top. Attends, j'ai pas pissé. Thank you.